ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. BioHebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est 15 000 dollars, mais bayebi singa place moko betamba mo cher. Bon, yo le bagini. C'est le permis de. Mon ezamuke, nazo batsa lo misato. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bagini. 2005. Muke, muke, ezamuke. Na obeto mata. Na zongi kisasa. Ndako emuna na te. Ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimvundu a belinga imo. Alors tango kanda e matinga e pene na kangisa noko Chimvundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili au commis propriétaire. Ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonios Fongola Namaboko, Bam Kololupa.
Avec MBI Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine Nabino et Information Générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci, je pense que vous avez bien passé la journée, l'année 2024 a bien commencé. Merci, bonne année, meilleurs voeux, de bonheur, de prospérité et de longévité partout où vous êtes aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier. Je vous fais cette émission depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour la bino fidélité bozanango. Merci pour la bino nyonso nenge bosunga kabiso. Vous êtes fidèles à nos programmes que vous commentez, que vous partagez. Je suis vraiment fier de vous. Lelo na yelbino information urgente. Titre bomonyo. Enfin, bato balanda ki émission nanga ya souka. Na senga ki na lobby, est-ce que moto akoki kozala? Vu tout ce qui s'est créé à l'est du pays, pona manda et à Félix Tshisekedi, to kozala li sous na retard. Il y a 5 ans pour le développement, puisque objectif il y a guerre dans l'est, c'est de nous empêcher total à elongi na bisoté na makambo etali développement ya RDC. Qu'on nous empêche lelo babimia wa toke no bunda, lobby ezangi masasi toke no somba. Et on ne va pas parler de la RDC. Alors j'ai appelé, quand j'ai vu que Nanga est sorti avec Batunaye Moussousou, que Balobi, ils vont marcher sur le Kinshasa, j'ai compris que Torobanda Mabe na Ane Oyezo Banda, le mandat Moussousou Yassika, il y a président Félix Tshisekedi. Alors j'ai appelé le monde à dire est-ce qu'on ne peut pas, quelqu'un peut nous aider à nous amener Corneille Nanga. Namaboko, vivant, moyennant quelque chose. Il y a des Congolais qui ont écouté mon appel. Chers amis, j'ai aujourd'hui 1 million de dollars. Je rappelle, j'ai aujourd'hui 1 million de dollars que nous allons donner à chaque personne, individu ou groupe armé, qui va nous amener Corneille Nanga. Ça peut vous étonner, mais vous voyez que pas Nanga, il n'a pas sa bino information, du PCLAT. Je n'annonce rien pour rien. J'ai toujours pesé mes mots et je sais ce que je vous dis. J'ai encore pesé une fois les mots avant que je vous l'annonce. Je vais vous montrer 1 million de dollars pour tout celui qui nous amènera Corneille Nanga aujourd'hui vivant. Parce qu'il faut tout ça, mais ça est la RDC. Je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. Ne quittez pas. Partagez cette émission. Peut-être que vous avez un peu de temps à Yébi, Makambango, Zoloba. Et puis il peut dire, mieux vaut que je choisisse la RDC que j'amène Corneille Nanga. Et puis, 1 million de dollars, et qu'on n'est pas là, et pas là, et pas là. Je dis bien ce que je dis. Je vais donner tous les détails tout à l'heure. Ne quittez pas. Partagez d'abord l'émission, likez l'émission. Partagez au maximum. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Tobandanano, j'ai quelques. Nako Melate, puisque c'est une courte émission. Nalingi, bozo message Oyo. Vous qui me suivez aujourd'hui, partagez-moi ce message. Eko Matina, fin fond de la RDC. Et je vous donne tous les détails tout à l'heure. Alors, d'abord, RDC, tout se passe bien. Nous sommes toujours dans la fièvre. Il y a célébration, il y a victoire écrasante, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la RDC, publié, confirmé comme tel par la CENI. On attend la confirmation de la Cour constitutionnelle dans moins, je crois, 7 ou 10 jours. Mais Masolo a déjà, ils ont célébré encore partout. Mais la victoire de Félix Tshisekedi, Eza malheur, donc bonheur pour les uns, malheur pour les autres. Je m'explique. Chers amis, ces images qui me parviennent du grand Katanga sont insupportables. Soki botali na ba image oyo, ba Congolais
nous avons appelé la publication, il y a résultat, il y a Félix Tshisekedi comme président de la RDC, par la CENI. Exercice démocratique, où va tout va participer, bas 26, va battre campagne, va keiti na souka. Ou va se pela yko cédé pour nabam sous va se peli, va cédé, ou va linga ki ba kende bangomoku ba keiti na souka. Nous avions tous confiance puisque quand tout le monde est arrivé, il y a qu'on déposer candidature et puis qu'on battre campagne avec espoir, il y a qu'on la déclarer vainqueur, c'est que tout le monde a cru. Mon toutou a zaki na confiance et na processus électoral. Mais dès qu'on a confirmé Félix Tshisekedi que c'est lui le gagnant, les Kassaïens font ça dans les grands Katanga. Vous êtes en train de voir ces images. Les Kassaïens ont commencé à faire ça. Il y a des enfants qui dorment à l'extérieur, Namalili, Namboula, puisque tout ça période d'Amboula. Je demande ici aux autorités d'ouvrir, de tourner leur regard vers le grand Katanga. Et puis ça passe, il y a d'autres qui passent devant, d'autres images qui se passent devant les officiers. Namoni neti image. Ezo le kaliboso ba officier. Ba telemi ba militaire ba telemi et les gens font ça. Je vous demande chers amis, je demande aux autorités congolaises, tournez votre regard s'il vous plaît, regardez ce qui se passe dans les Katanga, c'est insupportable. Yamona Zoloba, lelo Tshisekedi aliki. Bon, va lelo, yebandaki déjà na période Fayulu arataki élection en 2018 et tout le monde s'est tourné vers les Kasai, bokoka ki kozwa victoire. Lelo eliki na Katanga, tout le monde se tourne vers les Katanga, bokoki kozwa victoire. Et aujourd'hui, il y a des baloubas qui sont chassés, les Kassaïens qui sont tués. Alors, posons-nous la question. Quand Tshisekedi Félix va laisser le pouvoir après ces quinquennats, 5 ans, que deviendront les Kassaïens dans toutes ces provinces? Et là, je pense que certaines personnes, vous êtes en train d'encourager certaines personnes qui disent que peut-être Tshisekedi et vous allez passer puisque Soka Longo est en pouvoir. Et qu'on a la calvaire et Kassaïens à travers la RDC. Et tout ça, il faut réfléchir. Je ne souhaite pas aller encore loin avec ma réflexion, mais je demande à ce que Bakonzi Amboka bota la dossier Yaba Kassaïens, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai reçu des images insupportables. Il y en a qui sont à la gare, conduits à la gare. Restez ici, vous allez prendre un train qui va vous amener chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Na salle émission boye, quand il commence, par Bino Baluba. Non, moi je suis Honoré Kabongo. Si tu as insulté, insulte-moi. Insulte-moi. Pas insulter toute une tribu. Je ne suis pas mandaté par les Baluba pour parler en leur nom. Je parle en mon nom propre. Je fais mes analyses et mes réflexions à vous, à ceux qui veulent me suivre. Chers amis, est-ce que nous pouvons changer la manière de voir les choses? D'abord, na sengi que Bakonzi Botala, tous les petits groupes là, Moutoutoua Zobima, nous, ressortissants de tels, nous, les jeunes de tels, est-ce que nous pouvons bannir cette phrase-là? Et comment, nous, peuple congolais? Chers membres du gouvernement, chers officiers de renseignement, des défenses de la République, est-ce que vous pouvez aider les jeunes? Vous pouvez aider nos communautés à bannir cette phrase-là. Nous, jeunes ressortissants de tels. Nous, chefs coutumiers de tels. Non. Moi, je souhaite que ce soit nous, peuple congolais. Biloko anandezo baby sasiko Congo. Et tikali moutou abimé naïe. A tes vidéos. Nous, tel. A sali menace naïe sili. Ça passe. Et toutes les autorités sont là en train de regarder. Moi, ça me révolte. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous identifier, tout le monde qui sort devant sa caméra, devant son téléphone. Nous, ceci, nous demandons. Et quittez ici, et telle tribu, Bozalate. Et ça, vous allez arrêter cette hémorragie en leur disant, plus question de ce message pendant ce temps ici. Soke Salemena Kassai, nous, Kassaïens de ceci, vous les arrêtez. Et Salemena Congo Central, nous, ceci. On doit avoir un message du genre, nous,
Congolais, voici ce que nous pensons pour notre pays. Et là, toutes les autres tribus sont protégées d'abord. Et puis, nous défendons la RDC face à la menace tout le temps en Libanda. Pourquoi on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là? Chers amis, c'est une inquiétude. J'appelle ici en urgence à ce que le conseil d'Abisso et Mboka battent l'Abisso dossier au Zoleka dans le Grand Katanga. Alors, autre chose. Et ça, élection toujours, il y a président de la République. Oyo et Zoleka bien. Message de félicitations Ezoya Ezouta partout. Message de félicitations Ezouta partout. Na wote ko tanga pe ya Lorenzo. Lorenzo alobi makamba bien. Je crois plusieurs pays de Yasadek plutôt et les qui plusieurs pays mais ezana moto moko. Tata moko na tanga na message na yete. Peut-être que je suis en retard. Soki na tangi na message na yete bolimbi sangai na zamoto. Mais jusque là je suis en retard na tangi na message na yete. C'est le président Oyangambo ou place au Natali. Vient Denis Sassou Nguesso. Na yoki message na ya félicitations te. Alors que il devrait être le premier dès la nuit même il y a publication de résultats par la CENI. Azala Moto Aliboso, Yakobenga, peut-être le président Félix Tshisekedi, et les féliciter. Qu'est-ce qui explique ces silences depuis les 31? Les 31, Boutou Mobimba Isil, Bazawa, Batalania, le premier Ekeiti Isil, les deux Ekeiti Isil, Natanga Kinanouté, les trois Natongo Natanginanouté. S'il a publié Bolimbisanga, Natangite, mais jusque-là, na moni na message na yete. Et ceci me donne encore une idée que Denis Sassou Nguesso, na lobaka yango très bien. Na okene na Brazzaville été et puis ils ne me verront pas. Soko ba linko sala nga mabe ba sala nga mabe na RDC. Dès lors que Tata Oyazar Denis Sassou Nguesso ndenge article silencieux, ndenge pe Kagame article silencieux. Ils sont en accord. D'accord, toboite. Accord politique ça existe. Chers amis, bolimisa na yoka kinde ko moko atuni. Alobi pourquoi ozo sala ba émission na lunette fumée. Non, lunette nga za médical. Ezate lunette ndeng ba lobaka keno honoré azo a tricher batou. Azo copier batou. C'est une lunette médicale eza na transition. Soki na za na kati ndaku, hein, eza pembe. Soki yana bimi libanda, ezo komanita un petit soleil pona ko réduire visibilité, les bandes y en a. Ça n'a rien à foutre avec Nayeko Sala fierté, Nayeko Sala ninité. Donc, bateau, bah, mais ça n'a pas la talinette, bah, évite de quoi je parle. Alors, maintenant, Congo Brazzaville, Nayoki message, Nayenante. Je me pose la question. Rwanda silencieux, Rwanda, ce n'est pas une surprise. Je sais que Paul Kagame ne pouvait pas et ne pourra pas féliciter Félix Tshisekedi. Mais il y a eu papa, il y a Congo Brazzaville, il y a eu problème ni ni tous en ango. Qu'on soit téléphone, qu'on benga Félix Tshisekedi, qu'on ait que na pension félicitations. J'ai appris auprès de votre CENI que c'est vous qui êtes élu. Ça vous coûte quoi? C'est pourquoi je vous dis, chers amis, Tata Oyo a l'élibiso commission na makambozo le ganaire de ça. Il connaît. Bazo benga l'archi, les sages de la région de Grand Lac. Il n'est pas les sages. Il sait qu'il est commissionnaire. Er moko bazoya ba la kisiye moi ba miette, ba pesiye moi ba miette, ayebi toi ferme ta bouche, laisse-nous discuter. Jusqu'au moment où vous verrez que a repé sa félicitation à Félix Tshisekedi, à Salieni. Donc, ce que bon moni bazo benga ye nani. D'ailleurs Félix Tshisekedi a benga ye papa. 40 ans. Abengaye papa. Oui, d'accord, papa, mais à l'ingiote. Parce que papa, tout de suite, il devrait être le premier à appeler son fils. Pour lui dire, mon fils, félicitations, j'ai appris. Mais regardez, ti lelo, ti sikoyu, rien du tout. Et je me pose la question, quelle est la relation entre papa et moana? Oyo papa, moi nazui, akame mazui, et le roi bien à l'élection. Papa ne pense pas lui dire félicitations. Total cas. Mais moi je vous dis ceci, chers amis, depuis que Tshisekedi Félix est au pouvoir,
tous les petits commissionnaires, tous les petits petits plans autour y a RDC nion se les a paralysés avec le courage que Tshisekedi a identifié l'ennemi de la RDC qui est Paul Kagame, soutenu par tous ces petits pays qui nous entourent et même d'autres de l'étranger. Tshisekedi est une cible. Il n'est pas le bienvenu dans tous ces concerts politiques où ils ont à travers le monde. Les vieux ici, allez là, allez à la commission et à RDC. Yaon à l'Obakaboy. Je pense que ce que je dis ici est au Salabino Mabe. Mais c'est à partir de l'expérience automne. Dès lors que Tshisekedi a Télémi, à Boya Lobi, au Yabino, Yabino, Yabiso, Yabiso, Soko Yé, Yagana Moi, Tokabola, et dès lors à Fongoli Biso Misu, à Fongoli Misu, à combien d'ennemis. Mais comment est-ce que vous êtes aussi d'accord que Tshisekedi, il devient ennemi puisqu'il nous a ouvert les yeux. Tomoni clair. Toebi ba ennemi, toebi ba ami. 5 ans au Salema. Bato Nyonso, au Baliaka Commission et RDC, baza toujours na position na bango. Tshisekedi paye 5 ans, a sali sa élection, à Longo Akende. Bango bazanan. C'est-à-dire que Sasungeso, a osala 45 ans, parce que Sori to sali. 5 ans, Tshisekedi, tu vas qu'il y a 40 ans, où il y a sa sali, ça fera 45 ans à Zanam, puisque sa constitution a changé à Yango, et même Yeti jusqu'à l'infini, je pense. Dans Rwanda, ce qui nous fait la guerre depuis maintenant 30 ans, à Zanam, Tilelo. Dans Ouganda, ce vieux-là, il y a Kagame Sokendi en 2037 ou 34. Dans Ouganda, à Zanam, Tina hébité sur combien 40 ans déjà. Batounion Soana, ce sont des gens qui ont des mains sur la RDC. Les lots qui seraient dans mon année, 5 ans. D'ailleurs, Dalai Kobuna, après 5 ans à Kenya. Bango Batikala va continuer plein à Bango. Et puis, après 5 ans, il y a Tshisekedi à Kenya. Bango Batikala. Moi, je dis non. Moi, je pense que je peux vous révolter en disant, dès lors que Sasungue soit à Longona pouvoir, dès lors que Kagame a Longona pouvoir, dès lors que Museveni a Longona pouvoir, Tshisekedi a Zana Iseka à Kenya. Acceptez que je vous blesse à ce niveau-là. Dès lors que ces gens ici, qui se battent chaque jour pour avoir des portions de terre en RDC ici et là, bazana nous, tout le monde a beau Tshisekedi après 5 ans, il faut que nous nous sommes là. Peut-être un autre Tshisekedi comme Honoré, a zonga na pouvoir pour continuer l'élan. Il y a guerre, combat pour mettre fin là-bas, empêcher ces gens-là. Chers amis, si Tshisekedi va quitter le pouvoir, alors que ces gens sont encore là avec nous, voilà pourquoi je souhaite blesser certaines personnes en leur disant que peut-être Tshisekedi n'a pas place à Zokendete. Azanam, commentez Ngana nous. Si vous êtes convaincu de ce que je dis, commentez-moi, dites-moi, Azanam. Slogan Wanana Bimisa Yango. C'est pas pour rien. C'est moi qui ai sorti cette histoire-là. Et je sais pourquoi, de quoi je parle. Dès lors que Batouana ba ennemi wana baza, ceux qui ont moni Tshisekedi lelo à Longo, ils se frottent les mains, ils vont danser, ba remet le champagne, à Kende. Il est venu nous mettre mal à l'aise pendant ces 5 ans ou 10 ans. Tous les lorotés, à Kende nan, on va travailler celui qui va le remplacer. Et on a le but Tshisekedi Azanan. Azanan. Alors, voilà un peu, je demande que les choses soient comme ça. Mais regardez encore, puisque nous parlons des élections, l'M23 a fait sa proclamation, sa publication. Yaona Zoloba, Mbokoyo, ceux qui t'ont défendu Mbokoyo, je pense que nous sommes des malheureux. C'est nous qui devons défendre ce pays. M23 publie cette liste, cette publication, donnant 62%, 67 ou 62, Tatalana. Azopessa, Moïse Katumbi, 62%. Est-ce que Oeza Kolorate, Yaona Lobi, Moïse Katumbi a pessié 67,45%. Ça c'est M23. 67,45%.
ngana ipsa kabino na lobby ba enemy ya RDC la mingi o baza baza entretenir le conflit na est wana baza awa pourquoi les M23 d'abord depuis ils se sont officiellement annoncé que nous soutenons la candidature de Moïse Katumbi. J'ai évoqué ici parmi les raisons qui ont fait que Moïse Katumbi a raté l'élection de l'eau. Chers amis, ne quittez pas, je vais vous parler de ces 1 million de dollars mis à la disposition de moi-même qui vous parle pour tout celui qui arrêtera Corneille Nangaa. Je le répète, l'émission, les sujets, je commence ces sujets tout de suite là. Et je vous laisse partager l'émission et travailler sur l'émission dans tous les sens pour que Moutoutou aille au Kamesa. Congolais Nios aille au Kamesa aujourd'hui. Plus de 100 millions de Congolais, plus ceux qui sont à l'étranger. Je vais faire une cérémonie. Il y a remise, il y a 100 millions, non, 1 million de dollars, je m'excuse, 1 million de dollars à tout celui qui amènera Corneille Nangaa vivant pour être entendu ici. Je vous donne tous les détails maintenant. Alors, je disais tout à l'heure que le M23 publie Moïse Katumbi gagnant avec 67,45%. Et suivi de Félix Tshisekedi Tshilombo avec 22,99%. Alors, si vous regardez ce tableau ici, il y a publication, vous allez vous rendre compte que Makamunaïb Sarabino Ezaya Solo. Cette histoire s'est travaillée par des personnes qui ne parlent pas les Français. Or, balobi que ça a fuité dans le système IA. Commission électorale nationale indépendante. Nabiso, Seni Nabiso, ça a fuité. Nenge balobakaka, na yoka France 24, na ba media na binona, na 2018, il y a eu une fuite. Mais fuite, montrez-nous des documents certifiés. Bayeko salabiso, infographie, balakisi document, na infographie conçue sur l'ordinateur. Tout à l'heure, on a papier. Mais ngaï na yib sarabino nabi, si vous voulez que je vous montre les serveurs il y a 2011, J'ai ça. Je vous montre noir sur blanc. Tokei bureau par bureau, territoire par territoire. Vous allez vous rendre compte comment Kabila Ibaki, élection il y a 2011. Oyo bazolo va fuiter. Mais ce que vous regardez, vous allez bien. Vous avez le titre. Hein? Vous avez le titre. Oui. Titre Ezali. Vous avez le titre. Titre Ezali en rouge. Bakomi. Ce qui est un document est outil na CENI. Bisson na CENI. Tous les pays anglophones, tous les pays francophones, tous les documents à la CENI sont en français. Alors, ce que vous avez dit, dossier, on a commis, first name, les noms. Et ça, c'est en anglais. Alors que la CENI, système langue de travail, il y a la CENI, c'est le français. Deuxième tableau, balobi, name and post name. Bah, commis en anglais. Alors, ils nous disent que les M23 nous dit que. C'est Eza fuite ya Seni. Suite fuite ya Seni et bien en anglais. Paris, c'est les partis politiques et ainsi de suite. Et puis, après, bah, il y a voice, voix en anglais. Et vous verrez que d'abord, la première des choses, au Tali, d'abord au lobby, c'est pas un document fait en RDC. Vous voyez, par exemple, il y a combo ya Moïse Katumbi. Comme en anglais, monte. Bon, Katumbi. Puisque c'est ça, Moïse en anglais. Comment est-ce que le nom de Moïse est comme un tableau dans Seni en anglais? Alors, vous allez voir que. Et puis, ce que vous avez dit, comme par exemple, Sesanga, donc numéro 4, Deli Sesanga. Parti na yé, c'est en vol. Awa na document na bango izobima flight. Flight oyo c'est en vol en français. En anglais flight. Donc document est conçu par les anglophones. Bato balobaka anglophone. Soki botali anglais. Soki botali bakomi flight. Delice sanga point na ye yango wana. Quelque part aussi. Soki botali quoi? Bokeiti Wapi, Botali parti ya numéro 24, Adolphe Mouzito,
parti na yi aweza New Island. New Island donc nouvel élan en anglais. Alors vous vous rendez compte que bateau yo na lo ba rwandais ba samayelite. Bolimisanga ba masananga ba rwandais bolimisanga. Boza mayelite. Quand vous publiez cette histoire, vous comprendrez que ata mutu zoba ako ndi mabiloko aboite. Biloko aboi lo ba peut-être ba media na bino o na monaka ebele bazo croire que la sur internet. Ce sont ces gens qui peuvent accepter ça. Quand l'M23 vous sort avec un communiqué, nous avons été à Kinshasa, nous avons signé un accord avec Tshisekedi. Et je vois des médias qui prennent ça. Ah, M23 a dit, ils étaient à Kinshasa, ils ont signé un accord. Vous prenez le M23, un message du M23, comme un message, il y a un journaliste vraiment vendu, a eu comme message, M23 a publié et il en fait un sujet. Regardez ça, et ça c'est une honte. Des gens moins intelligents qui croient que les Congolais sont des bêtes pour accepter un tel document. Et voilà que je vous demande, chers amis, ne suivez pas ces médias-là. Ce sont des médias utilisés qui M23 a sali biloko aboyé, a Pessi Bango, allez, va faire un les résultats publiés par les M23. Et c'est le porte-parole qui a publié ça. Il m'envoie aussi. Et ça, je voudrais vous montrer que ces gens n'ont jamais été intelligents. Bah, on tire la paix qu'aux allées intelligentes. Puisque ce sont des choses conçues en anglais. Et ils donnent l'impression d'avoir acheté, s'affouiter au niveau de la CENI et ainsi de suite. Donc, moins intelligence et bon dimanche, Koyo Kabilo Rwandengwana. Ces gens ont été surpris. Moi, j'ai annoncé que Bato, Bazo Luka, va tripoter. Et surtout, c'était les Rwandais. Les petits Rwandais recrutés dernièrement. Ils ont repéré le matériel Baza. Ils sont là, Baké et Païté. Et ils ont recruté de petits de jeunes Rwandais spécialisés dans l'informatique, dans le piratage informatique, qui sont en train de tenter de créer leur propre logiciel dans Oya Seni. Mais Seni a été compliqué. Résultat, ils allaient au Komata, bureau par bureau. Au fur et à mesure que les autres comptent dans le serveur. Au lieu de baser la compilation générale, que non, à Roya Jour, Moro Afandi, la bande qui fait ses résultats, sur base de la compilation, il y a un compliqué dans la situation. Et voilà qu'ils n'ont pas pu avoir quelque chose de bon. Ça, c'est du montage par des personnes moins intelligentes, Boyo Rabangote. Maintenant, je vous parle, il y a dossier Oyo, il y a un bon 1 million. Des dollars. Chers amis, j'ai appelé ici na émission il y a lobby ou avant-hier. J'ai appelé les Congolais à dire que nanga les Rwandais étouffés, essoufflés maintenant, bazali sous na makokité. Le Rwanda va changer les M23 en un mouvement dirigé par les Congolais. Et ce mouvement là, Boyoki Corneille Nanga, Oyabiso, Abimi, Yemuto, comme il se Namoni, bah respect, bah zopé, ça n'a M23, c'est comme si bah sali fusion, pas comme si bah sangani bangoto. Parce que, na vidéo, on est au c'est Namoni, Azana, ma solo, na, Makenga, Bissimoa, tous les officiers, il est là, bah zosala, bah réunion, il a fait ce message. Il a fait ce message et d'après lui, le message est fait à retour. Bana RDC, bana Congo, na sepeli na sola na bino lelo. Pour na koyo sa bino ke moment où il arrive moment moko déterminant pour na mboka. Lelo boko landa o babengi o annonce des résultats provisoires. Ezali comédie à Chilombo. Toza kunate, to kondima pe yango te. Mensonge. Lelo Moussala Ongana Salaka, bope sango confiance, bope sanga confiance. Vidéo Oyo, Corneille Nanga Salango na Ruchurute. Place vidéo Oyo, Corneille Nanga Salango, et ça na Uganda. Je vais vous en parler. Donc, Lera Sali, message Oyo, message Naye, a Sali que il va marcher sur Kinshasa. Quand il y a Corneille Nanga Isanini,
Exact. Pourquoi Tshisekedi a organisé des élections? Il ne pouvait pas organiser des élections. Une réclamation à taille au petit bébé à Rondimayango Telele. C'est pourquoi il faut Tobundi Sananga. Moi, personnellement, je me suis mis comme quelqu'un qui cherche la tête de Nanga. Soit il y a Luki Yanga, soit Nga na Luki Yaye. J'ai appelé les Congolais ici. Que est-ce que les Congolais, vous pouvez m'aider? Est-ce que l'État congolais, vous pouvez mettre une cagnotte quelque part? Chers amis, appel Nanga a été écouté, entendu, suivi. J'ai eu $1 million. Chers amis, j'ai eu $1 million. Mbongo Oyo, j'ai posé la question na bakonzi ya justice. Malobité, je ne peux pas vous montrer cet argent. Je ne peux pas montrer de l'argent sur Internet. J'ai ce que je dis. Les autorités judiciaires de mon pays m'écoutent. Si je vous amène cette information, la Lukuta Moko quelque part, je demande que la justice congolaise me poursuive. Si je suis en train peut-être de faire un buzz pour fouler au pied Mbongo na biso, que la justice me poursuive. N'a qu'un de correspondre. N'a sambi sama. S'il faut me condamner, ba condamner nga. J'ai eu des conseils que pour la kisate, c'est pour te protéger pour contre. C'est comme si c'est une utilisation abusive. Denge ba tuba boka kambongo. Et ce n'est pas autorisé par la loi. L'argent est ici. Je demande cet argent, c'est à tout celui qui nous dira. Et ça, étape mibale. Je vous explique. Étape Yaliboso, vous nous amenez des informations, pas moi. Vous dites à l'État congolais, j'ai trouvé Corneille Nanga. Et à ça, quelque part, venez, nous l'arrêtons. Pour faciliter l'arrestation à Corneille Nanga. À se retrouver peut-être dans Maboko, il y a service de renseignement congolais. Vous venez prendre cet argent. Si vous n'avez pas cet argent, Nalina Kenosa a 30 ans de prison dans la justice. Oui, Bissa, justice que. Sur base de cette émission, j'ai fait mon travail et voilà ce monsieur m'a extroqué. C'est pour vous dire que je vous dis, ce que je vous dis, c'est en toute conscience et je dois rester sérieux et honnête envers vous. Mbongo, Ozui, Obenginga, Olobi, procureur général de la République. Mbongo Nangai, Yango, Yutenga Yango, Zoa Yango Ipaya, monsieur Honoré. Puisque ça, c'est pour l'intérêt de toute la République. Soko Zimbongote, faites de moi ce que vous voulez. Alors, deuxième chose, j'adresse ce message aux groupes armés. Si vous êtes un groupe armé et que vous nous facilitez la main, Yokangeli Biso Corneille Nanga, ce groupe armé sera amnistié. Ces jours-là, on oublie tout ce que vous avez fait comme dégâts en RDC. Ça, c'est la négociation que j'ai pu obtenir pour un groupe armé, un militaire qui va mettre la main sur Corneille Nanga. Corneille Nanga yeye. Mais Nasala Kimabe, l'amnistie existe pour dans ce pays. Il y a beaucoup qui ont été amnistiés à Lukuta. Mais ça, on va vous pardonner si vous nous amenez Corneille Nanga et vous prenez votre $1 million. C'est-à-dire que pour les individus, les privés, vous avez $1 million et vous célébrez Tosali Mikandato. Pour un groupe armé ou un militaire ou un groupe de militaires qui vont nous aider, à arrêter Corneille Nanga, vous avez d'abord vos $1 million et vous êtes amnistié. Je l'ai dit, ma main levée, que j'ai négocié et j'ai obtenu ça. Alors, vous voulez avoir ces $1 million et être amnistié si vous êtes militaire, voici l'occasion. Chers amis, pourquoi moi je souhaite que Corneille Nanga, j'ai fait ce travail, Corneille Nanga soit arrêté. C'est parce que Corneille Nanga est en colère. Son problème, c'est que la RDC ne pouvait pas organiser des élections. Félix Tshisekedi ne pouvait pas organiser des élections. Est-ce que le fait d'avoir organisé des élections, c'est un péché? J'ai dit non. Est-ce que le fait, ils se sont mis en route
tokei ba candidat ba leki na seni ba leki na cour constitutionnelle ba kei ba sali campagne pour corner nanga. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Corner nanga Nombi Katumbi Kabila et les autres pour la bango, il fallait que Tshisekedi aille au pouvoir après ça na Kabila, et Kabila devrait voir entre les différents Congolais qui sont ici qui mérite encore le pouvoir. Loin de la constitution, loin de toutes les lois de la République. C'est pourquoi na monique corné nangaza o babenga kana ba na chiluba tout didiani toi bo wabuto. Donc quelqu'un qui crée quelque chose pour vous distraire. Chers amis, nous pouvons aussi parler pendant ces 5 ans de Tshisekedi, parler du développement de la RDC. Totikali simata mulai. Les pays n'avancent pas. Mambongo muke komonana to somba masasi. Mambongo muke komonana to totina ba militaire, to futa ba militaire prime sur le terrain. Mambongo muke komonana ba militaire obasana na front bazo a ration. Quand est-ce que nous allons parler du développement de ces pays? Alors, Corneille n'a pas compris cela, que Tshisekedi risque de faire décoller ce pays dans 5 prochaines années. Yango Lobi, il va marcher sur Kinshasa sans motif. Moi, si y a Corneille n'a pas violé Yete, puisqu'il faut vous poser la question. Tu te rebelles pour quelles raisons? Famille Nayo, bilo qu'on a eu nous sur les a intact. Famille Nayo, yo kaka moutou ba pesa interdisa. Après sa sanction, ce qui est dans l'Union européenne, ce qui est dans les États-Unis, la RDC ne t'a fait aucun mal. Pourquoi tu veux, tu te rebelles, tu vas t'allier à l'assassin, à terroriste de la RDC pour faire du mal, marcher encore sur les 12 millions de Congolais, tu vas marcher encore. Puisque quand tu viens pour marcher sur Kinshasa, tu ne marcheras pas sur Kinshasa comme tel, comme la terre, tu marches sur les crânes des Congolais. Chers amis, Tokoufi Mingi, Corneille Nangaa n'a aucune raison de faire la guerre. Aucune. Aucune raison de faire la guerre. C'est lui qui nous a très mal organisé des élections côté à la fois passée. Il était libre ici. Il a créé son parti politique. Bapesa Yango, autorisation de fonctionnement. Il était libre. Il a ses maisons ici. Il a ses biens ici. Il va se rebeller pour empêcher le développement de la RDC. Pour quel motif? Et quand j'ai exposé ça, les Congolais m'ont compris et il y a un Congolais qui a accepté de travailler avec moi et avec la justice pour que Mbongo ait 1 million de dollars et bima Topesango de manière officielle, tout ça la cérémonie officielle qui sera suivie sur toute la planète dans moto à Royal Abisso, Corneille Nanga. Chers amis, Corneille Nanga ici est allé s'associer dans un pays ennemi de la RDC. Il n'a pas fait ce message en retour chez nous. Il a fait ce message en Ouganda. Imaginez-vous d'abord à sali sorti na ye na batunyos na ye ba association na ye ya ba Rwanda tout ça na Nairobi. Nous considérons que Nairobi a compris le message que je garde les ennemis de la RDC. Ils vont un jour sortir et marcher sur les crânes des Congolais et tuer les Congolais. Nairobi Kenya est au courant. Mais ce message ici Corneille Nanga a eu à lobby. Asalango na Uganda. Na Uganda asali na RDC. Na Uganda bato ba yebi puisque moi j'ai passé mon temps au Rwanda, j'ai travaillé en Uganda. Je connais l'Uganda. Ngana zaki ko vivre na quartier babengi Mubarak Black Gate. Na yebi ke za quartier ming ba Congolais ba yebi. Donc soko leki na Uti ville ou leki na pont wana za na rail. Pont train zo le kalikolo na se bato bazo sorti na ngaya ngwa. Alors, dans le quartier, il y a Congolais mingi ya Uganda. C'est ça le quartier ya Congolais. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Mais na Uganda aussi, il y a aussi ce qu'on appelle Bunagana aussi, et ça na Uganda. Na RDC, Bunagana ezali. Alors, moi, place oyo, Corneille Nanga, ça le dit, message na oyo, et ça en Uganda. Na place babengi Kisiro, quartier Kisiro. Non loin à mairie à Bunagana. Quartier qui sera non loin à maison et mairie de Bunagana. Place où ils ont été wana. Au moment où ils ont été na nini. Ils ont place moko ya bien ba visitaka. Comme ba place moussous na Uganda.
Safaris Homestay. Donc, ils ont guest house. Ils ont une place. Ils ont un message. Ils ont un message dans la RDC. Donc, ils ont à peu près à 3 km de la frontière de la RDC. Donc, ils ont un peu de temps. Ils ont presque à 3 ou 4 km de là jusqu'à la frontière de la RDC. Donc, ils ont un peu de temps. Donc, ils ont un peu de temps. C'est un menteur. Alors, donc, moi, je le bas déplacé place ouana. Mais moi, je ne saurais pas arrêter Corneille Nangana na Ouganda, na Mimaye na RDC. Il est en Ouganda au moment où j'ai fait cette émission. Mais si vous êtes fort, vous aimez le pays, amenez-nous Corneille Nanga vivant et puis prenez cette émission. Ce que moni na Tambusio, aux Zimbongo na Yote, puisque chaque ça. Ozumbo na yote ozui omeminga na justice oyebisi justice que na yeko fonda ce monsieur il m'a fait un travail na kangi corné na ofuni nga ya kanga vidéo bomba ya mais l'argent est là. J'aime bien, je salue, je remercie ces Congolais qui ont accepté de travailler avec moi dans cette histoire et je le jure que si ce sont des militaires qui vont arrêter corné nanga, ils sont amnistiés. J'ai déjà eu de garantie à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Partagez cette émission. Peut-être, nous avons la famille. Nous avons beaucoup de nous, la famille telle, nous avons beaucoup de et puis, tous sommes bons. Ce qui est bon, c'est que nous avons. Alors, nous voulons montrer au monde que nous sommes unis et nous travaillons pour la défense de notre République. La République démocratique du Congo. Donc, le roi la Corneille Nanga avec les Rwandais Basangani, Basali et le roi na Bangwana et ils veulent encore entrer en RDC pour tuer les Congolais. Je le répète, je dis, je risque de vous décevoir que je ne vois pas ici que Félix Tshisekedi a Okende. Avant Akende, il faut Kagame Alongona. Puisqu'ils vont nous fabriquer quelqu'un d'autre. Ayebo et Alobino, calmez-vous. Tu sais qu'il était un peu violent, Namaloba, tout ça. Je souhaite que Ngana servir Bino, mais Bossala, on a un calme, va congoler Baïvat. Et tout ça n'a pas ça, Mbato, on a dit ceci. Tu sais qu'il n'a pas été placé à aucun. Bon, Yango, ils ont été. Oulinga, comme un millionnaire, bon, Yango. Oulinga, comme un millionnaire, oh, Nakongo, Bazala, toujours, Bango, Nabango. Bon, Yango. Ou comme un millionnaire officiellement, te remettre yo yango devant toute la presse nationale et internationale. Partager ce message que Oyakoye le Biso Corneille Nanga, il est le bienvenu et la République lui sera reconnaissante. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc Corneille Nanga, tozo lukaye na mwinda, ngana zo luka Corneille Nanga na mwinda. Donc voilà. Donc faites ce que vous pouvez faire. Et pour nous contacter, tous nos contacts sont ici. Salé Langaï message, Salé Langaï voice, comme Langa par email. Tous les contacts sont là. Et je vous sais, il faut Nazan Nyongonabino. Il faut Nazan Nyongonabino. Parce que cette république, il est temps de défendre ça. Mais ce que je peux aussi demander, le Banakende parlementaire, l'idée est la proposition d'une loi. Est-ce qu'on peut mettre fin à tout Congolais qui se réveille un jour, il se rebelle contre la République pour rien? Est-ce qu'on peut mettre fin à ça? Puisque sinon, au moment la rébellion écoute à l'éternité et n'aille de laisser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout mécanisme de mesure d'encadrement, Moko, qu'aucun Congolais ne peut prendre des armes contre son pays pour des raisons qui doivent être évoqués dans la loi. Au cas contraire, on te traque toi et ta femme et ta famille même. Puisque mon écoute à la nangoka y a des rébellions, comme par exemple Corneille Nanga qui se rébelle pour rien.
Et là, c'est tout le monde qui parle de lui. C'est tout le monde qui il va sortir à Azur négocier déjà Mindouki. Tout ça, que ça là, Mindouki Nyonso, Rwanda a copé ça y est. Na M23 non. Tout Bakozala non. Tout Tiki Bitumba. Maintenant c'est AFC Sogi Ninouan. On va encadrer cette histoire là. On doit savoir pourquoi tu te rebelles contre la République. Sinon, tu es un homme à abattre. On te dépouille de tout. Tu ne peux pas ni faire la politique, ni faire l'armée, ni tout. Comme ça, je pense que tu. Comment est-ce que tu as les lois au lieu de saisir la structure, il y a justice. Donc le pays est organisé. Non. Pour toi, la seule solution, pour que moi, quand on a eu un mouké, il y a Bouzoba, et si là, il faut au Bandaku Bomaba Congolais. Est-ce qu'on peut, je vais vraiment réfléchir, Nabatou Amaye le tout à RDC, pour qu'on trouve une solution dans ce sens. L'Obana Kende parlementé. Je l'ai dit trois fois. Je sais que beaucoup de choses vont changer. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui avec ces numéros. Je vous aime bien. Je vous souhaite une très très bonne année 2024. Une très bonne émission. Partagez-moi cette émission. Likez notre chaîne. Et je pense que je vous remercie d'abord en avance. Et Dieu vous bénira tout au long de cette année. Pour que tout ce qui s'en était, je vous donne quelques mois. Que Mbongo Yonatika Lanangonala Lakanangote. Je remets cet argent na place ya Nandaku ya Mbongo. Mais Nazana Nyongo Nabino. Yo Tchanganu. Donc, Pesanga Peignon. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous demande de bien prendre soin de vous. Naoki Makambuya Seni Balobi. Moi, basta la publication à Bissot Ezate pour les députés nationaux. Dozela. Totala, on n'est pas pressé. Et on n'est pas appelé forcément à être au Parlement. Non. Je peux défendre mon pays comme je l'ai fait dans d'autres moyens, d'autres structures. Et cela pourra toujours permettre à ce que, à ta 100 personnes ou 1000 personnes à qui je parle, biso tout ozala, tout loba moko, et tout bon se peut m'organiser dans les sika moko, tout pour redéfendre le moko biso bien. Que mon Dieu vous bénisse, prenez vraiment bien de vous, prenez bien soin de vous, et puis travaillons tous toujours dans la beauté des choses en RDC, car chaque jour est une vie. Merci infiniment, merci à tous mes partenaires, Bio Eps Cacao et les autres. Les produits sont toujours en vente. Ici, ces numéros qui passent, ce sont les distributeurs. Consommez ça, appelez-moi, donnez-moi vos témoignages, parce que je ne souhaite pas vous amener des fausses informations. Il y a Lukuta Naboya. Et j'ai ma main levée, je suis là, et je garde jalousement votre argent. C'est pour vous qui allez nous amener Corneille Nanga, vif, pour être entendu, jugé par la RDC, qu'ils nous disent pourquoi il veut encore freiner le développement de la RDC pour ses intérêts personnels. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse, et à très prochainement pour le prochain numéro. Au revoir. BioHebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en RD Congo.